Alors, une méthode motivante. La question qu'on se pose toujours, c'est comment motiver nos élèves? Alors d'abord, en donnant du sens à l'apprentissage, à leur apprentissage. Il faut toujours qu'ils sachent pourquoi ils font telle chose et surtout pourquoi faire ils apprennent tel contenu. Alors, comment peut-on les motiver? Bien, d'abord, en leur présentant des thématiques qui vont les intéresser. Ensuite, ces thématiques devront déboucher sur des documents. Alors, on verra en quels termes ils peuvent être le plus réels ou authentiques possible. Je vous donnerai des exemples concrets. Et ces documents, bien sûr, déboucheront sur des activités. Alors, les mots-clés en relation avec les activités, c'est éveiller la curiosité, faire découvrir des contenus aux élèves grâce à ces documents et à ces activités. Toujours la présence du jeu, aussi l'importance du ludisme dans l'apprentissage, aussi bien chez des adolescents que chez des enfants, même que chez des adultes. En donnant toujours en aidant les élèves dans leur processus de mémorisation et toujours aussi basé sur la collaboration, puisque tout ça va déboucher sur des tâches, comme vous le voyez en bas de la diapo, sur des tâches réelles. Et ça, c'est vraiment une des choses bien différentes de l'approche communicative avec la perspective actionnelle. On est en plein dans le réel. Et une chose qu'on doit retenir, c'est ce que j'ai mis ici en violet. Donc on motive les élèves par l'action, hein, ils sont toujours en train de faire des choses parce que dans la perspective actionnelle, on n'apprend pas pour faire, mais au contraire, on fait pour apprendre, d'accord? Et comme je vous le disais, un peu ce parallèle entre la perspective actionnelle et l'approche communicative, c'est ce qui concerne la centration sur le groupe. Dans l'approche communicative, on était centré sur l'apprenant et dans la perspective actionnelle, on est centré sur le groupe. Donc, vous verrez par la suite que beaucoup d'activités sont des activités collaboratives. Alors, si on réfléchissait aux thématiques qui peuvent intéresser nos élèves, bon, on les connaît tous et toutes ces thématiques. On sait à l'âge de nos adolescents ce qui peut les intéresser. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté dans le parcours par rapport aux autres méthodes qu'il y a eu avant ou même des méthodes de la concurrence. Mais je vais vous montrer Alors, je n'ai pas pris toutes les unités de chaque niveau. Je vous en montre seulement quelques-unes par niveau. Donc, par exemple, dans parcours 1, on va parler des origines. Alors, comme vous l'avez compris, ici, c'est l'unité où on va parler de la famille, des nationalités, etc. Des loisirs, des héros, c'est une thématique qui intéresse beaucoup les élèves. Les réseaux sociaux, ça, on ne peut pas y échapper. Vous êtes d'accord avec moi? Après, dans parcours 2, on verra par exemple une unité sur la ville. Donc, on fera des balades à l'intérieur de notre ville. On parlera aussi des occupations, tendances, bien sûr, ça va être sur la mode, destination, sur les voyages, bien-être, sur comment on se sent, sur les émotions, etc. Dans le parcours 3, on aura des thématiques du style culture. Alors là, on parlera des films, des livres, des romans qu'on lit, des bandes dessinées, des mangas. Engagement, comme je vous l'ai dit avant, avec les objectifs de développement durable, on est un peu obligé de parler de tout ce qui est engagement, cause solidaire, respect de l'environnement, etc. Innovation sur les objets technologiques, info sur les rapports des ados avec l'information, les fake news, etc. Fiction, c'est une thématique aussi qui les intéresse beaucoup. À cet âge-là, citoyenneté, créativité sur l'art, talent et tradition sur les clichés, les stéréotypes. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport aux thématiques qu'on a l'habitude d'aborder avec nos élèves, mais au moins on sait qu'elles sont là, elles y sont. Personnellement, je pense que ce sont des thématiques qui vont intéresser les élèves et surtout la manière dont on les a abordées. Donc les thématiques, elles doivent être bien sûr proches de l'univers des adolescents. Et ce qui est important dans Explore, c'est cette fameuse page d'ouverture. Alors souvent, quand je fais des formations, les enseignants me disent qu'ils ont tendance à zapper cette page-là, à passer outre et à attaquer directement l'unité. Et moi, je pense que c'est vraiment dommage parce que cette page-là, elle a une fonction. Elle n'est pas là juste pour ouvrir l'unité. Elle a une fonction. Alors, sa première fonction, c'est bien sûr d'éveiller la curiosité des élèves. Là, on va les faire parler, leur faire émettre des hypothèses. À votre avis, de quoi on va parler dans cette unité? Alors, au début, dans le niveau 1, peut-être le niveau 2, cette discussion se fera en langue partagée de la classe. Mais après, bien sûr, elle pourra tendre de plus en plus à se faire en français. Elle introduit la thématique et surtout, elle mobilise les connaissances préalables des élèves. Parce que nos élèves, c'est pas tabula rasa. Ils ont déjà des connaissances, soit dans d'autres langues étrangères qu'ils ont étudiées, soit dans leur langue maternelle au singulier et au pluriel. Et donc, ils ont des choses à dire.
Et donc, on va les faire parler sur cette page d'ouverture. Et comme ça, ils vont pouvoir déjà voir quel contenu ils vont peut-être étudier dans l'unité qui va venir. Donc, il faut toujours qu'ils sachent pourquoi ils vont faire quelque chose et surtout pourquoi faire. Alors, ce pourquoi faire, on le voit avec ces cartouches bleues que vous avez sur la tâche d'ouverture, où on donne toujours « Apprenons à, par exemple, parler de nos origines », ça serait l'objectif pragmatique de l'unité, et « Pourquoi faire ?» pour créer le drapeau de la classe. Et là, ça serait la tâche que l'on va demander après à faire aux élèves. Donc là, je vais passer dans mon plan de la thématique vers les tâches. Donc, comme vous avez vu sur cette première page d'ouverture, la tâche ici, ça serait créer le drapeau de la classe. Donc, on va demander aux élèves de... Bon, on les a préparés à faire cela, bien sûr. Hein, on ne leur dit pas de faire la tâche comme ça à brûle pour point. Ils ont déjà une préparation. On les fait parler sur les nationalités du groupe. Alors, en Espagne, en plus, c'est très intéressant puisque dans la classe, on peut avoir des apprenants d'autres pays, mais on a aussi peut-être des apprenants d'autres communautés autonomes. Donc, on fait par petits groupes un drapeau, soit des différentes communautés qui apparaît dans le groupe. Après, on rassemble tout et on fait le drapeau de la classe. Et ce drapeau, on pourra l'utiliser après peut-être lorsqu'il y a aura la journée, la semaine sportive au collège. Eh bien, chaque classe pourra arborer son drapeau de la classe. Donc, en fait, on voit les origines, les nationalités, etc. pour pouvoir faire ici concrètement le drapeau de la classe. Et comme je vous disais avant, il y a centration sur le groupe parce que ce sont toujours des tâches collaboratives, d'accord? Donc ça, en fait, c'est la finalité de tous les contenus qu'on va étudier. La finalité, ce sera réaliser cette petite tâche. Un autre exemple de tâche, alors je vous en montre une pour le niveau 1, pour le niveau 2, 3 et 4, une pour chaque niveau. Alors, par exemple, ici, pour parcours 2 dans l'unité 3, la thématique de cette unité, c'est occupation. Donc, en fait, c'est l'unité où on va voir pour la première fois le passé composé. L'objectif pragmatique de l'unité, ça sera raconter ce qu'on a fait. Donc, ils devront réutiliser les contenus qu'ils ont vus avant. Pourquoi faire? Bien, pour faire la liste de nos tâches ménagères. Alors, dit comme ça, ça ne rime à rien. Mais en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu dans les documents qui ont précédé cette tâche, c'était des élèves, des ados qui parlaient de ce qu'ils faisaient à la maison, s'ils aidaient, s'ils n'aidaient pas. En fait, c'était un test pour savoir si on était un ado zéro défaut. Donc, on va faire une enquête dans la classe, toujours par petits groupes. Après, on va mettre ça en commun. Et à la fin, on va voter pour le groupe ado zéro défaut. Donc, pour le groupe qui aide le plus à la maison, qui collabore le plus. Alors là aussi, bien sûr, d'une manière subliminale, il y a aussi des objectifs de développement durable. Hein, vous savez qu'il y en a 17 au total, dont un, égalité femmes-hommes, par exemple. Donc là, ça va être abordé de manière un peu subliminale, même plus qu'un peu. Dans le parcours 3, dans l'unité 2, dans l'unité engagement, alors c'est l'unité où on parle par exemple des causes solidaires, du développement durable, etc. On demande aux élèves, donc les documents qu'ils ont vus avant et les activités qu'on leur a proposées à partir du document, les amènent à réaliser cette tâche qui est « Présentons-nous à l'élection des éco-délégués ». Donc là, les élèves par deux vont faire une espèce de... vont défendre leur programme d'éco-délégués. Et à la fin, dans la classe, on va voter pour les éco-délégués de la classe. Alors, si ça n'existe pas dans votre collège, c'est peut-être l'occasion d'établir un système d'éco-délégués et de faire ça, par exemple, avec d'autres classes, avec le professeur d'anglais ou le professeur de sciences sociales, de faire des élections d'éco-délégués dans le collège, même plus que dans la classe. Donc, ça débouche toujours sur quelque chose qui peut être fait dans le collège, dans la classe, dans la ville, dans la famille, etc. Pour le niveau 4, un exemple de tâche, alors là, c'était sur l'unité citoyenneté. On leur demande, les élèves ont vu dans les documents les droits des enfants. Et là, on leur demande de rédiger la charte des droits de la classe. C'est-à-dire qu'ils vont dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans la classe. Ça sera affiché. Et donc, ça débouche aussi sur quelque chose de réel, que tout le monde ensuite devra respecter. Donc, c'est pour ça que je vous disais avant, faire pour apprendre, c'est en faisant que les élèves apprennent, réutilisent les contenus qu'ils ont vus avant la réalisation de cette tâche. Et donc, ces contenus servent vraiment à faire quelque chose. Alors, des tâches réelles, on va... Voilà, donc voilà les mots-clés dont je vous parlais avant. Là, on voit vraiment que l'apprentissage est significatif. Les élèves, ils comprennent pourquoi ils étudient tel ou tel contenu. On est en plein dans la perspective actionnelle parce que
ils agissent. Ces tâches étant des tâches collaboratives, ils mettent en pratique aussi la médiation et l'interaction. Alors là, je vais faire juste une petite parenthèse pour expliquer ces deux termes qui parfois sont un peu confus. Quand on parle d'interaction, on parle d'échange d'informations entre deux personnes, alors que quand on parle de médiation, on parle de co-construction du sens entre deux personnes, entre deux ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que quand on interagit, on échange des informations, et quand on est médiateur, on aide une autre personne à comprendre quelque chose. Donc ça, c'est ce vers quoi on devrait aspirer, que nos élèves devraient être capables de faire, d'être de vrais médiateurs dans la classe, aider leurs camarades à comprendre. Et ça, on verra aussi comment on procède dans le parcours. Motivation, oui, parce que ça a du sens. Donc, on est motivé pour choisir ses éco-délégués ou pour voir qui dans la classe et le groupe a dos zéro défaut. Et inclusion et diversité, puisqu'on travaille en groupe, on pourra faire un partage des rôles. Alors, un élève avec un style d'apprentissage plus lent pourra, par exemple, je ne sais pas, dessiner ou prendre des notes. Un autre pourra être le porte-parole, etc. Donc là aussi, on prend en compte l'inclusion et la diversité lors de la réalisation des tâches. Donc maintenant, on va voir les documents. Alors les documents, ils sont très très importants. Pourquoi ? D'abord, je dis qu'il faudrait qu'ils soient le plus réel ou le plus authentique possible. Alors, ils sont très importants parce que l'objectif de ces documents, c'est d'abord d'être de servir de source ou de modèle à la tâche finale qu'on propose aux élèves. Donc les élèves, quand ils font la tâche finale, ils ont un exemple. Et donc cet exemple, il doit être le plus attrayant possible. En plus, cet exemple, ce document, on peut l'appeler document déclencheur, c'est lui qui va présenter les contenus, que ce soit des contenus lexicaux, communicatifs, grammaticaux ou même culturels, en contexte, et ces contenus, ce sont ceux que doivent s'approprier les élèves. Donc, il faut qu'ils soient présents dans le document, et grâce à ces documents, on va aussi construire les activités de compréhension du document, bien sûr, mais aussi des activités de découverte des contenus qui vont faciliter l'appropriation de la part de l'adolescent de ces contenus. Donc, toute l'importance du choix des documents. Non seulement ils devront éveiller la curiosité motivée, mais aussi faciliter l'induction des points à étudier. Alors là, j'ai mis l'induction, mais aussi on fonctionne parfois par déduction dans parcours. Et aussi promouvoir la collaboration. Donc, les documents, comme on voit, il y a aussi beaucoup de mots-clés qui sont rattachés au choix des documents. Et maintenant, je vais vous montrer quelques types de documents qui apparaissent dans parcours. Alors, on a par exemple des sites web. Et là, je vous ai mis des documents variés et de sources authentiques. Alors d'abord, pourquoi varier ? Varier, c'est clair. Je pense que pour la motivation des élèves, si on leur présente toujours le même type de document, à la fin, ils en ont marre. Donc, il faut que ce soit des documents variés du point de vue du contenu, du point de vue visuel aussi, et du point de vue du support. Donc, on va voir tous les types de supports, pas tous parce qu'il y en a énormément, quelques types de supports de documents qu'on peut avoir dans le parcours. Et pourquoi de sources authentiques ? Parce qu'on est dans la perspective actionnelle, on va faire une tâche réelle et donc il faut que notre document soit le plus réel possible. Alors des documents authentiques chez les adolescents, c'est pratiquement pas impossible à utiliser, mais c'est très difficile parce que si on prend un document qu'on trouve sur Internet, on va avoir des problèmes au niveau de la progression grammaticale ou lexicale. On va avoir des formes, des contenus qui vont apparaître. Par exemple, si on est au niveau 1 et on a vu seulement le présent, et que dans notre document authentique apparaît un plus que parfait conditionnel, ça va gêner à la compréhension. Donc, source authentique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des documents qui existent. Là, si vous tapez HTTP, forum, écrire un scénario de jeu vidéo sur Internet, vous allez trouver ce document avec plus ou moins la même forme. Mais nous, ce qu'on a fait, les auteurs, c'est qu'on a simplifié ce document pour qu'il soit facile d'accès aux élèves et pour qu'apparaissent seulement les contenus soient connus ou à connaître, mais pas d'autres contenus qui pourraient gêner à la compréhension. Donc, on peut avoir, par exemple, des sites web, on peut avoir des guides. Ça, c'est un guide qui existe. Hein, c'était un triptyque que j'ai trouvé sur Internet. Donc, des guides, là, c'était pour un petit guide de survie en pleine nature. Des tutos, là aussi, c'est un tuto qui existe vraiment d'un musée qui s'appelle le Manas. On peut avoir des reportages. Donc là, c'est un reportage que j'ai trouvé aussi, dont j'ai trouvé la forme, mais après on a un peu changé le contenu, mais qui peut très bien apparaître comme ça sur Internet. Là, c'est sur les talents, sur les champions, les exploits. Des forums, alors on a beaucoup utilisé GeoAdo, que vous connaissez sûrement. Vous savez que GeoAdo existe en version papier et en version numérique sur Internet. Donc, on trouve des tas de forums différents
Et là, c'était un forum sur cap ou pas cap pour les sports extrêmes. Des podcasts. Alors, on a par exemple dans l'unité 2 un podcast sur les micro-trottoirs, un micro-trottoir sur les droits de l'enfant, un autre sur la survie en pleine nature, un autre sur une interview d'un Andy Rider, etc. Donc, vous allez me dire, oui, mais les podcasts au niveau 4, c'est plus ou moins facile, mais au niveau 1. Alors, je vous rappelle, ce sont des podcasts de source authentique. Ces podcasts existent, mais nous, on les a réenregistrés et on en a mis, bien sûr, aussi au niveau 1. Donc, on peut trouver tous ces types de supports dès le début de l'apprentissage. Donc, par exemple, dans l'unité 3 de parcours 1, on trouve un podcast sur l'importance de faire du sport et dans l'unité 6, sur les ados et les réseaux sociaux. Donc, on trouve aussi des sites web. Dès l'unité 1 de parcours 1, on a un site web qui s'appelle topito.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce site web. C'est un site web qui propose des palmarès. Alors, des palmarès de n'importe quoi. Ça peut être, là, c'était sur des objets, mais ça peut être sur des acteurs préférés, sur la recette de cuisine de notre grand-mère. Ça peut être sur n'importe quoi. Et en fait, les gens votent et on établit un palmarès. Donc, les items montent ou descendent selon les votes des gens. Donc, c'est un support qui existe, qui est réel. On peut avoir aussi, ça c'est un blog. Alors, le blog de Zélie.fr, c'est une jeune fille qui a un blog sur les animaux. Donc, c'est un blog qui existe vraiment, bien sûr, qu'on a retouché. Journée-mondiale.com, j'imagine que vous connaissez tous cette page web. Donc là, quand on a voulu parler des émotions, on a pris cette page web de Journée mondiale et on a parlé des émojis pour dériver après sur les émotions. Encore un forum de GéoAdo. Là, c'est sur les amis et les réseaux sociaux. Des tests, on peut avoir des tests. Donc, dès parcours 1, on a déjà des tests, très faciles, bien sûr, mais... Et des, par exemple, des interviews. Là, c'est une championne de la championne de France d'ultimate. Alors, c'est un sport qui n'est pas très connu en Espagne, mais qui est très, très pratiqué en France, dans les collèges. Et c'est un entretien qu'on a pris sur Actu en direct. J'imagine que vous connaissez aussi cette page web-là. Et bien sûr, les vidéos. Alors, dès le niveau 1, on a des vidéos de sources authentiques. Alors là, c'est une vidéo sur un garçon qui présente ses amis et puis ses objets préférés. Il y a plein de jeunes sur Internet, si vous regardez sur YouTube, qui présentent leurs amis, leurs chambres, leurs objets. Donc, il y a 3 vidéos dans les leçons d'apprentissage pour chaque niveau d'explore. La deuxième vidéo de parcours 1, c'est sur l'importance de faire du sport. Donc là aussi, c'est inspiré de Actu en direct. Et la troisième vidéo, c'est un jeu qui est extrait un peu du blog de Zélie. Donc, sur Internet aussi, il y a des gens qui font des jeux comme ça sur les héros, sur les animaux de compagnie. Et là, c'en est un. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un extrait de vidéo, enfin une vidéo entière. Alors, quand je vous dis que c'est de sources authentiques, il y en a même qui sont de carrément authentiques. Et c'est le cas de cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle appartient... Alors, bien sûr, on demande les droits hein, quand on prend une vidéo comme ça sur YouTube. Elle appartient à une jeune youtubeuse française qui s'appelle Pixel. Et en fait, quand on a voulu faire l'unité du niveau 2 sur la maison avec ma collègue Céline Imbert, on s'est dit comment va-t-on procéder parce qu'on en avait un peu marre de faire toujours le plan de la maison ou soit à l'écoute du jeune qui va chez lui, qui présente à son copain, voilà, là c'est ma chambre, etc. Et d'un coup, j'ai une idée. Moi, mes enfants, ils jouent beaucoup à un jeu qui s'appelle les Sims. Et en fait, les Sims, on achète cette application et après, on construit des maisons. Et cette jeune youtubeuse, Pixel, elle, non seulement elle construit ses maisons, mais après, elle les poste sur YouTube. Et donc, elle a des centaines de maisons qu'elle a construites. Et on va voir ce que ça donne là. Alors là, vous allez comprendre que cette vidéo va servir. Après, bien sûr, il y a des activités pour exploiter la vidéo. Et elle sert à faire découvrir à l'élève les pièces de la maison, les objets de la maison, et quelques prépositions de lieu. Donc, je vais vous la mettre. Tu me diras, Inora, si on entend bien, d'accord? Alors, au début, ça, il n'y a pas de son, ça arrive qu'ensuite. Alors, aujourd'hui, je vous présente la vidéo de ma nouvelle maison, la Villa de la Jungle. C'est une très grande maison. Elle est belle, hein? Ici, c'est l'entrée. Là, on arrive dans la cuisine et à côté de la cuisine, c'est la salle à manger.
avec une grande table et des chaises. Maintenant, on est dans le salon. Ici, il y a un petit bureau et là, la télé et deux canapés. On monte à l'étage. J'adore cette pièce. C'est la chambre des parents avec un grand lit. À côté de la chambre, il y a la salle de bain avec les toilettes. Et là, c'est la chambre des enfants avec deux petits lits, un canapé et un ordinateur sur le bureau. Et voilà ma maison de la jungle. Merci de la liker. À bientôt. Donc c'est pour ça qu'à la fin, elle dit merci de la liker, à bientôt, puisqu'elle la met sur YouTube. Donc je pense que c'est très important. On ne peut pas demander, dans la perspective actionnelle, comme le recommande le cadre commun de référence, de proposer des tâches réelles aux élèves sans leur proposer des documents de source authentique, le plus réel possible. Et on a aussi des vidéos, vous verrez, on va y revenir par la suite, dans les pages de civilisation. Et là, ce sont vraiment des vidéos authentiques, brutes de coffrage. Donc en fait, on peut avoir tous ces types de documents. J'ai mis etc. en noir pour que vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup plus. Des mails, des blogs, des sites web, des forums, des thèses, des quiz, des articles de presse écrits, des reportages, des interviews, aussi bien écrites qu'orales, des podcasts, des brochures touristiques, des programmes divers. Alors on a des programmes de festivals, etc. Des critiques, de films, de livres, des guides, des vidéos, etc. etc. Donc une grande variété de documents et surtout des documents de sources authentiques. Et pour revenir à ce que j'avais, à la diapo que je vous ai montré avant, les documents servent à présenter les contenus que les élèves doivent s'approprier et à construire des activités de compréhension et de découverte. Et ils doivent aussi servir à faciliter l'induction des points à étudier. Donc maintenant, on va voir les activités. Mais pour vous montrer les activités, je vais devoir, juste après, vous montrer une structure d'unité. Donc, les activités, on va en avoir plusieurs types. Des activités de compréhension des documents, bien sûr. Des activités de découverte des contenus. Donc, comme je vous le disais, les contenus aussi bien lexicaux que communicatifs, que grammaticaux, ils sont découverts par l'apprenant grâce à des questions qu'on leur pose. Ils découvrent des contenus et grâce à des corpus qu'on leur donne, vous allez voir après dans une page leçon. Il va y avoir aussi des activités d'entraînement, de réemploi, de systématisation, aussi bien dans le livre de l'élève que dans le cahier d'activité. Des activités d'auto-évaluation et de remédiation, ça sera dans le cahier d'activité. Et des activités de réflexion sur son apprentissage, ça sera dans la partie stratégie du cahier d'activité. Alors, voilà maintenant une structure d'unité. Donc, pour chaque unité, pour chaque niveau, il y a donc une unité de découverte plus 6 unités. Donc, 7 unités par niveau, mais 6 unités d'apprentissage. Et là, je vais prendre des exemples de parcours 3. Je vous fais naviguer parmi tous les niveaux de parcours. Donc là, une page d'ouverture, ça c'est celle sur les infos, sur les rapports des ados vis-à-vis des informations. La page d'ouverture, elle est là, comme je l'ai dit avant, pour découvrir la thématique, pour éveiller la curiosité, etc. Et les fameuses objectifs des leçons plus les tâches. Donc là, dans cette leçon, ça sera apprenons dans cette unité, ça sera apprenez à parler de notre relation à l'information pour réaliser une enquête sur l'information et les médias. Une enquête qu'on va faire dans la classe. Et après, à partir de cette enquête, on va faire une infographie. Et la leçon 8, ça sera apprenons à rédiger, à réagir à des fake news pour créer un quiz info ou infox. On va voir cette tâche à la suite. Et dans le coin droit de la page d'ouverture, vous avez un petit encart ressources plus. Alors là, ça concerne le livret, d'accord, qui va avec le livre de l'élève. Et concrètement ici, on a un document vidéo, vous allez comprendre pourquoi. On a la double page culture et citoyenneté. Donc là, c'est les médias pour la jeunesse. Et on a une page DNL qui s'appelle mon cours d'EMI. EMI, ça veut dire éducation aux médias et à l'information. Alors, ces ressources plus, en fait, elles sont là pour, on sait tous que, donc comme je vous disais, que nos groupes ne sont jamais homogènes. Donc avec un groupe, on peut aller très vite, avec un autre, beaucoup moins vite. Avec le groupe avec qui on ira très vite, pour qu'on n'ait pas un manque, par exemple, de l'activité ou de documents, et qu'on ne soit pas amené nous-mêmes enseignants à chercher d'autres activités sur Internet, on a ce petit livret, Ressources Plus, que l'on peut
utiliser où on veut un peu, on va voir à quel moment on peut l'utiliser, et qui sert comme complément au livre de l'élève. Donc, on va voir après comment intégrer ce livret ressources plus. Donc, on a d'abord une première double page de leçon. Alors, voilà celle de cette unité. Alors, avec un ou deux documents par leçon d'apprentissage. Dans le niveau 1, on a toujours 4 documents. On a 2 leçons d'apprentissage. On a toujours 4 documents, 2 par leçon. À partir du niveau 2, pour les niveaux 2, 3 et 4, on a 3 ou 4 documents. Ça dépend, puisque les documents, surtout les documents écrits, prennent plus de place, donc sont plus riches. Donc, on a parfois moins de documents par unité. Mais on a aussi on a suffisamment de contenu à voir, même si on n'a que 3 documents. Donc là, on a un document. Alors là, vous voyez, c'est un document oral. On a des activités de compréhension de documents et des activités de découverte des contenus. La deuxième page leçon, c'est pareil. On a 1, 2 documents cette fois-ci. Donc, pour reprendre la première page, on va la regarder un peu plus en détail. Comme je vous l'ai dit, c'est un document oral. Mais vous voyez, il y a un petit logo qui dit « document vidéo ». Alors ça veut dire que ce même document qui est ici un document oral, vous avez exactement, enfin pas exactement le même document puisque ça sera un document vidéo. Mais les contenus qui seront étudiés à partir de ce document oral seront présents dans le livret. Alors là, vous aurez une vidéo avec les mêmes contenus. Donc là, vous avez une alternative. Soit vous décidez de faire avec vos élèves ce document oral et ses contenus, ou soit l'alternative vidéo qui se trouve dans le livret avec ces mêmes contenus et la même tâche aussi. D'accord ? Donc, vous avez un choix dans le support. L'exploitation sera la même, mais le choix du support est différent. Et là, je vous mets, par exemple, la reproduction de cette même page du livre, mais ça, c'est celle du livret. Donc, vous voyez, là, on a une vidéo. Mais on a la même exploitation, les mêmes contenus et la même tâche à réaliser. Alors, on a des activités de compréhension des documents, bien sûr, et des activités de découverte des contenus. Alors, pour ce faire, pour la découverte des contenus, on a des petites boxes lexicales, des boîtes à outils. On a appelé ça des boîtes à outils. Soit lexicales, celles qui sont en orange, soit communicatives, celles qui sont en violet, ou soit grammaticales, celles qui sont en bleu. Donc ça apparaît dans toutes les pages. Et à la fin, on a toujours la tâche collaborative, c'est-à-dire on a 2 tâches par unité, une tâche à la fin de chaque leçon. La deuxième double page de leçon fonctionne de la même manière, les documents, les box et la tâche finale. Donc là, c'était Info ou Infox, il fallait créer un quiz pour la classe. Donc en fait, ça consiste à proposer une photo insolite à la classe, et à soit à dire ce que décrit la photo, ou soit à inventer une légende pour cette photo, et la classe doit deviner si c'est une info, une vraie info, ou si c'est une infox, une fausse info. À la suite de ces 2 leçons d'apprentissage, on a 3 pages de communication et lexique. Alors le but, c'est bien sûr de mémoriser le lexique et les actes de parole, et les activités qui viennent à la suite de cette grande carte mentale. Il y a donc 3 pages. Les activités servent à systématiser, réemployer les contenus. La carte mentale, elle est enregistrée, donc ça c'est très bien pour lorsque les élèves veulent retravailler, réécouter à la maison. On peut l'utiliser aussi en classe inversée, cette carte mentale, qui c'est, à vous de voir. Et voilà la 3e page, donc la grande carte mentale qui reprend tous les contenus lexicaux et les communicatifs des 2 pages leçon, puis des activités qui viennent à la suite. Et plus aussi des activités dans le cahier d'activités, bien sûr. Là, on parle seulement du livre de l'élève. Les activités sont à faire soit individuellement, soit à 2, soit en groupe, soit avec la classe. Et il y a aussi des activités jeux avec le petit logo du dé, là. Mais il n'y aura pas sur cette double page, c'est pour ça que je l'ai rajouté ici. Et vous voyez de loin qu'il y a beaucoup de logos par 2, par 2, par 2, des fois en groupe. Donc, il y a beaucoup d'activités interactives pour mettre en pratique c'est les contenus qu'on a vus dans les pages leçons. Et par exemple, dans la première page leçon, on avait une box, une boîte, qui était une boîte communicative qui apparaissait, qui s'appelait « Exprimer une proportion ». Et vous voyez qu'exactement cette même rubrique apparaît dans la carte mentale et aussi dans les activités qui suivent.
Donc, c'est très facile pour l'élève et pour l'enseignant de se repérer. Quand on trouve une box dans les pages de son, on sait qu'il y a la même box plus étoffée dans la carte mentale, on voit plus de choses, et les activités d'entraînement qui en découlent. Ça sera pareil aussi, vous allez voir après, pour le cahier d'activité. Ça aurait pu être une boîte grammaticale dans la leçon, et là donc, on irait voir les pages de grammaire qui se trouvent à la suite de ces trois pages éthique et communication. On a aussi trois pages de grammaire. Donc là, on a des tableaux de grammaire schématisés. Dans la leçon, ils ont découvert la règle, ils l'ont élaborée, et là, on leur donne le tableau schématisé justement pour l'inclusion, comme je vous le disais avant. Là, je vais aller un peu vite, pardon. C'est très important que tout le monde ait la règle construite pour que si on n'a pas compris au moment de l'exploitation du document, eh bien là, on a la règle. Alors, dans les pages lexique et communication, il y avait beaucoup d'activités interactives à faire à deux en groupe avec la classe ou même des activités ludiques. Mais il y en a aussi beaucoup ici. Si vous regardez tous les petits logos en groupe, etc., on voit qu'il y en a beaucoup. Et moi, je trouve que c'est souvent très facile de faire des activités de lexique ou de communication de manière interactive, mais c'est beaucoup plus rare de voir des activités de grammaire interactives. Et là, il y en a beaucoup aussi, parce que la grammaire, ça doit se pratiquer en faisant, et en faisant en groupe. On est dans la perspective actionnelle. On a aussi des activités de prononciation et on a aussi des tableaux de conjugaison enregistrés. Donc, l'élève peut réécouter les conjugaisons à la maison. Et à la fin de chaque unité, on a une évaluation qui évalue, bien sûr, les quatre activités langagières et qui est notée sur 20. Donc, voilà. Et à la fin de chaque niveau, on a un Delphe blanc. Et donc, on a 8 pages de Delphe blanc. Si vous, vos élèves souhaitent s'entraîner au Delphe, eh bien, ils ont 8 pages de Delphe blanc à la fin de chaque niveau, A1 pour niveau 1 et 2, A2 pour niveau 3 et début B1 pour le niveau 4. Vraiment début B1. Donc, le cahier d'activité, il fonctionne de la même manière que le livre. Les fameuses rubriques qu'on a vues dans le livre de l'élève, elles sont aussi présentes dans le même ordre dans le cahier d'activité. Donc, c'est très facile pour l'élève pour se repérer. 3 pages de lexique et communication et 3 pages de grammaire qui fonctionnent pareil avec les mêmes box. Donc, c'est très facile de se repérer. Et on peut utiliser ces activités pour de la remédiation. Et là, on a une auto-évaluation à la fin du livre, à la fin de chaque unité du cahier. Et on a aussi une page de stratégie. Alors là, j'aurais aimé, dans ma présentation, j'avais fait préparer des diapositives pour vous présenter plus en détail ces pages stratégiques. Moi, c'est la section que je préfère de tout mon travail d'auteur, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Ça fera peut-être l'objet d'une autre intervention. Parce que là, vous voyez tout ce qu'on peut aborder avec les pages stratégiques. Ça couvre vraiment toutes les mots-clés de la perspective actionnelle. Donc, je vous le présente comme ça rapidement, mais j'en fais l'impasse. Et on a aussi toutes les deux unités des entraînements au Delphe. Donc, 3 entraînements en Delphe par niveau. On a aussi un lexique thématique à compléter. Alors, comme on est dans la médiation, on demande aussi à l'élève s'il souhaite, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, s'il veut traduire les mots qu'il a vus. Là, c'est un lexique thématique. Par unité, on présente tous les mots qui sont apparus dans chaque unité et on lui propose de les traduire s'il le souhaite. Et surtout, on lui propose d'ajouter d'autres mots qu'il aurait vu mais qui ne serait pas dans la leçon, qu'il aurait demandé par exemple à l'enseignant. Et il peut, s'il le souhaite, aussi le traduire dans sa langue ou dans une autre langue étrangère, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est dans le plurilinguisme. Et bien sûr, les audios des activités du cahier sont transcrites. Et là aussi, ça favorise l'inclusion parce qu'il y a par exemple des élèves qui ont besoin de lire, de voir pour pouvoir faire les activités. Sachant que le cahier se fait normalement en autonomie. Et aussi un précis grammatical qui favorise aussi l'inclusion et toutes les conjugaisons de chaque niveau qui apparaissent à la fin du livre. Donc là, voilà, on est arrivé à la structure d'une unité. Alors, un des gros atouts, je pense, de parcours, c'est le fait que ce soit une méthode modulable. Alors, une méthode modulable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'enseignant peut adapter son cours. Alors là, je vous ai fait un clin d'œil, son parcours, à sa manière d'enseigner, aux besoins de chaque classe ou de chaque élève. On sait qu'on n'est jamais devant des groupes hétérogènes. On peut avoir des différences de volume horaire. Si on a des premières langues ou des deuxièmes langues, on peut avoir 2 heures, on peut avoir 4 heures. Et donc, je crois qu'en Espagne, le problème, c'est que l'administration espagnole sollicite beaucoup les enseignants qui doivent préparer des programmations, qui ont des tas de choses administratives à faire.
Et donc, à la fin, on n'a plus trop de temps pour chercher des documents. Donc, c'est pour ça qu'avec Parcours, on donne ce petit livret plus pour que l'enseignant n'ait pas à perdre du temps à chercher des documents, des exploitations. En plus, une chose, c'est de trouver des documents. Une autre chose, c'est que ces documents soient didactisés. Donc, on a pensé un peu à tout avec Parcours et on a plus que nécessaire pour pouvoir choisir et pour pouvoir adapter aux contraintes de temps, au rythme d'apprentissage de chaque groupe et aux contraintes de matériel si ce jour-là, on veut faire une vidéo ou on préfère choisir le support qu'on a dans le livre. Donc là, je vais vous présenter maintenant très rapidement le livret où apparaissent les ressources complémentaires. Donc, les alternatives vidéo dont je vous ai parlé avant. Alors, il y en a, c'est pour certaines unités, c'est normalement pour 3 unités par niveau. Et comme je vous l'ai montré, c'est exactement la même exploitation que le support qu'il y a dans le livre et la même tâche demandée. On a aussi une double page culture et citoyenneté. Alors là, on a des documents variés qui augmentent bien sûr au cours des niveaux. Là, on est dans le parcours 1, mais dans le parcours 4, les documents sont plus riches. On a aussi des vidéos. Alors là, cette fois, des vidéos authentiques, comme je vous le disais. On a des questions interculturelles, des questions de compréhension des documents, bien sûr. Des focus sur les compétences citoyennes, puisqu'on est avec la LOMLOE, on doit prendre en considération l'agenda 2030. Et des activités de production collaborative, parce qu'on est toujours dans la perspective actionnelle. Et une double page DNL. Alors, DNL, ça veut dire discipline non linguistique. On les appelle aussi les pages Émile ou Clive, ça dépend. Là, c'est sur un cours de géographie. Là, on est au niveau 1 aussi. Les textes ne sont pas très riches, mais au niveau 4, on a des textes un peu plus fournis aussi. On donne les objectifs de la discipline, des documents, des activités interdisciplinaires et aussi des activités de production collaborative. Donc voilà, avec le livret, on couvre aussi toutes ces mots-clés et aussi les compétences clés. Là, je vous ai mis la liste des compétences que moi, je pense qui sont touchées par le livret. On pourrait même ajouter la langue maternelle si on pratique la médiation et la traduction. Donc sur les compétences, on en trouve 6 ou 7. Donc, il y a juste la mathématique, non, je ne sais pas laquelle j'ai enlevé, la 7. Mais bon, on couvre un grand nombre de compétences clés. Alors, on va arriver presque à la fin de mon intervention. Et là, je vais vous poser une petite colle. Là, je vais vous demander d'intervenir. Et en ce qui concerne la modulabilité de parcours. Alors là, je vous ai présenté une autre, j'espère que vous voyez que c'est assez grand, une autre... unité, c'est celle du logement, c'est l'unité 1 du niveau 2. Donc là, vous avez toutes les pages de l'unité, la page d'ouverture, la première leçon avec un document, avec un deuxième document qui est celui que je vous ai montré, la vidéo de la jungle, la villa de la jungle, un troisième document qui est un texte écrit, les 3 pages de lexique et communication avec la carte mentale et les activités, les 3 pages de grammaire et verbe avec la prononciation avec les verbes et la page d'évaluation. Alors, ma question est, si vous devez faire les activités, ces activités-là qu'on trouve dans les pages d'éthique et communication et dans les pages grammaire et verbe, à quel moment de l'unité didactique vous les feriez? Alors là, il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. Hein. Chacun va dire ce qui lui semble. Moi, j'ai mon opinion, j'ai ma manière de procéder. Mais je pense que toutes les modalités sont valables. Si ces fameuses activités, lexique, communication, grammaire et verbe, puisque vous savez qu'avec les box, c'est très facile de se repérer, on peut facilement passer des pages leçons aux pages lexique, communication ou aux pages grammaire et verbe, où est-ce que vous les feriez? Alors, vous faites, première option, flèche orange, vous la voyez ici. Donc, la première option serait de faire les activités des pages lexique et communication, grammaire et verbe, après avoir fait les 2 doubles pages de leçon, après avoir fait la dernière tâche, donc d'une manière tout à fait linéaire. Premier document, deuxième document, troisième document, et après on passe dans l'ordre aux activités de lexique et de communication. Ça serait la première option, l'option orange. J'ai mis des couleurs de flèches différentes pour que vous disiez... Après, voilà, moi, je choisirai l'option orange ou l'option, on va voir laquelle. L'option rouge, par exemple. L'option rouge consisterait à, une fois on a vu la première boîte à outils, qu'on a découvert les premiers contenus qui ici sont dire où on habite,
Eh bien, on va chercher dans la carte mentale la section dire où on habite et on fait les activités. Donc, ça serait après chaque box qui apparaît dans les pages leçons, aller chercher dans les pages lexico-communication ou grammaire et verbe s'il s'agit d'une boîte grammaticale, les activités correspondantes. Ça serait l'option rouge. La troisième option, qui serait l'option verte, serait qu'une fois qu'on a fini un document, l'exploitation de ce document, on va chercher les activités. Donc là, ça serait une ou deux activités communicatives pour dire où on habite, une ou deux activités sur l'interrogation avec inversion, une ou deux activités sur oui et si. Et une fois qu'on a fait les activités, on passe au document 2. Donc là, ça serait l'option verte. Et la quatrième option serait l'option violette, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une double page, juste avant de faire la tâche, on va chercher les activités correspondantes. Ça serait l'option violette. Alors, j'ai mis cette option-là juste avant la tâche. J'aurais pu la mettre aussi juste après la tâche, mais je pense que ça n'a pas de sens d'attendre la fin de la double page pour faire les activités après la tâche. Si on les fait avant la tâche sera d'autant plus riche que les élèves auront fait plus d'activités pour s'entraîner et pour assimiler les contenus qu'ils ont étudiés sur la double page. Alors là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'intervenir et de dire quelle option, parmi ces quatre options-là, option orange, c'est-à-dire d'une manière linéaire, option rouge, à chaque fois qu'on voit un point, option verte à la fin de chaque document, ou option violette à la fin d'une double page et juste avant la tâche. Quelle option vous préféreriez? Alors là, c'est très personnel aussi, ça dépend de votre manière d'enseigner. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. C'est juste pour que vous me disiez pourquoi, quelle option vous choisiriez et pourquoi vous choisiriez celle-ci. Alors, est-ce que quelqu'un veut dire comment il procéderait? Et Nora, moi, je ne vois pas les participants. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de caméras. J'ose pas inviter les personnes à directement les nommer pour participer. Je crois que tout le monde est un petit peu timide. Personne n'ose dire. Quelqu'un se lance? Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Hein. C'est seulement sa propre manière d'enseigner qui ferait qu'on... Si vous utilisez un jour au parcours, vous allez vous poser cette question. Donc, autant mettre en commun les possibilités qu'il y a ici. Personne n'ose. Oui, je crois que nos collègues sont timides aujourd'hui, Fabienne. Alors, moi, je vais vous dire comment je procéderai. Alors, je pense que l'option orange, personnellement, je crois que ce n'est pas viable parce que si on prend l'option orange, c'est-à-dire qu'on fait ça de manière linéaire, on se retrouve après avec tout un tas d'exercices. Imaginez, il y en a 8 en lexique communication, il y en a 19 en grammaire et verbe. Ça, 19 et 8, si je ne me trompe pas, ça fait 27. On va pas faire 27 activités, 27 exercices à la suite. On va perdre nos élèves. Donc, on sait en plus que les élèves aiment faire des choses courtes, changeantes, etc. Donc là, à mon avis, l'option orange, ce n'est pas la bonne option. L'option rouge, ça pourrait être une bonne option, mais je pense qu'on interrompt trop l'exploitation du document. Si on fait une question, on voit la box correspondante, on va chercher... La rubrique correspondante soit dans les pages lexiques ou soit dans les pages grammaire, selon que ce soit une box lexicale ou grammaticale. Si on fait trop d'allers-retours, on perd aussi le fil de l'exploitation du document. Donc, je crois que les deux meilleures options, c'est soit l'option verte, c'est-à-dire après avoir fait un document, on va chercher les boxes correspondantes, ou soit l'option violette, après avoir fait une double page, eh bien, on va chercher aussi, personnellement, si je vais choisir entre la violette et la verte, je choisirai la verte, d'accord? Mais ça, c'est ce que je vous dis, c'est à vous de voir comment
vous préférez procéder et comment vos élèves préfèrent procéder. D'accord? Donc, en plus, dans le guide pédagogique, c'est très bien indiqué. On vous propose des moments auxquels vous pouvez voir le document vidéo du livret ressources ou la page culture et citoyenneté du livret ressources ou le cours d'art plastique du livret ressources. Donc, vous pouvez alterner les activités lexique, communication, grammaire, verbe, plus les activités du livret. Et là, on vous donne une espèce de schéma à suivre et on vous dit à quel moment ça serait l'endroit idéal pour voir les documents du livret ressources. Je vais finir avec les composants du livre du professeur. Donc, il y a le livre du professeur et le fichier d'évaluation. Le kit numérique, c'est Manuel donc, qui va s'en charger. Donc, dans le livre du professeur, bien sûr, la présentation de la méthode. Alors, il y a le guide visuel de l'élève. Le guide visuel, ça veut dire qu'on a les corrigés sur la reproduction du livre de l'élève. Donc, à la rigueur, on pourrait presque même travailler seulement avec le livre du professeur. On a toutes les réponses en verte. Et les transcriptions des audios, il y a aussi d'autres conseils pédagogiques qui sont ajoutés. Et on a donc la même chose donc aussi pour le livret, hein, c'est une reproduction du livret. On a des fiches objectifs de développement durable pour, qui figurent aussi dans la LOMLOE et comme pour promouvoir l'agenda 2030. Et on a aussi les transcriptions et les corrigés du cahier. Donc le cahier aussi, c'est pareil, c'est un cahier visuel. On a les corrigés sur le livret du professeur. Et pour le fichier d'évaluation, alors on a un test diagnostic. Alors, en début d'année, on a une évaluation initiale qui peut être soit pronostique ou soit diagnostique. Et deux versions pour le niveau 1, parce qu'on peut avoir, bien sûr, des élèves faux débutants. Donc, on a deux versions de cette évaluation initiale, selon si nos élèves sont débutants ou faux débutants. Ensuite, on a 6 tests, une par unité, bien sûr, fil A, fil B. Alors, pourquoi fil A, fil B? Je ne sais pas si vous êtes habitués avoir deux types de tests par unité dans les guides pédagogiques que vous utilisez. Eh bien, parce que, par exemple, un jour, un élève est malade et il doit faire, il n'est pas présent le jour de l'examen, eh bien, on peut lui donner l'examen de l'autre fil pour qu'au cas, il y aurait une filtration de la part de ses camarades, par exemple. Ou si un examen n'a pas marché, on propose à la classe de refaire l'examen et on a un autre examen déjà tout fait, où on a de la compréhension orale, du lexique, de la communication, de la grammaire et de la production écrite. Alors, quand je vous disais qu'on prend en compte la diversité, il faut penser aussi aux élèves qui sont HP, au potentiel par exemple. Et donc, on a des tests d'approfondissement qui sont des tests plus difficiles que, disons, les objectifs minimums qu'on peut exiger des élèves pour les tests fil A ou fil B. On a aussi des tests de compréhension et de médiation. On a des tests aussi sur les compétences clés. Et on a aussi une épreuve blanche du DELF. On en a une, les élèves en ont une à la fin de chaque niveau de leur livre élève. Et il y en a aussi dans le fichier du professeur. Et bien sûr, les corrigés et les transcriptions. Et pour finir, c'est ce que je vous disais au début, sur le site de Santillana, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est le mot que je préfère de toute la pédagogie, c'est le mot bienveillance et bienveillante. Et quand j'ai vu qu'on parlait de parcours comme une méthode bienveillante, j'ai dit on est en plein dans l'idée, on a très bien capté l'idée chez Santillana. Parcours, c'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de mettre en confiance les élèves, pour qu'il ait envie de s'impliquer et qu'il prenne du plaisir à apprendre. Je crois que c'est la philosophie qui nous a suivi selon tout l'élaboration de parcours. Et là, je vais finir en espérant que vous ayez des questions. Et je voudrais finir avec une phrase de Salman Khan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Salman Khan, c'est la personne qui a eu le premier idée de la classe inversée et qui a créé aussi la Khan Academy. Et il dit une phrase qui dit « Une classe où les élèves enseignent est une classe où les élèves apprennent ». Si on arrive à ce que nos élèves soient de bons médiateurs, qu'ils expliquent à leurs élèves, qu'ils collaborent, qu'ils aident, qu'ils s'entraident, eh bien, je pense qu'on est arrivé à notre objectif final, qui est que les élèves apprennent. Ils le font comment? Eh bien, justement, en enseignant. Merci beaucoup pour... je crois que je n'ai pas trop débordé parce qu'on avait fini un petit peu... On avait commencé un petit peu... J'espère qu'il y aura des questions. Ou peut-être les questions, on les réserve après l'intervention d'Emmanuel. Si spontanément, il y a des questions, je pense que n'hésitez pas à intervenir.
Et puis, si personne ne se manifeste, eh bien, Manuel, c'est à toi. Vas-y, si tu veux. Merci, Laura. Je vais partager mon écran, c'est ça, Laura? Oui. Alors, je ne sais plus comment on faisait. A priori, Manuel, de toute façon, si tu essaies de partager. D'accord, je vais essayer. Je crois que c'est bon. Bon. Nora, est-ce que tu peux me confirmer si vous voyez mon écran? Oui, oui, on la voit. Parfait. Génial. Génial. Et maintenant, je vais vous faire découvrir le site de la méthode où vous allez voir qu'on a posté différents éléments démo, des éléments dont Fabien vient de nous parler. Comme par exemple, pour le professeur, on a parlé du livre du professeur, on a parlé aussi du fichier d'évaluation. Vous allez aussi trouver l'audio pour la classe. Vous avez aussi pour le prof les clubs du FLE, le club des fidélisations. Peut-être Nora va vous raconter quelque chose en relation du club du FLE. Et l'élément le plus important et le plus différentiel de notre offre numérique pour le professeur, c'est le kit numérique pour la classe. Je veux lancer le kit du niveau 1. Le guide numérique pour la classe, c'est un manuel numérique, mais pas comme les autres. C'est un manuel numérique qui est pensé pour vous en tant que prof et pour vos élèves en classe. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide numérique? On va trouver le manuel numérique interactif qui intègre le livre et plus, les cahiers d'activité et toutes les vidéos de la méthode. On a aussi un générateur de jeux et une banque de flashcards pour pratiquer le lexique et quelques chansons karaoké pour pratiquer en classe. Je vais vous faire découvrir le manuel numérique où on trouve, comme je viens de dire, le livre de l'élève avec le livre et plus. On voit un menu où on peut voir les différentes leçons du livre et les différentes parties du livre et plus. Et aussi la fiche ODD correspondant à l'unité 1. Et dans l'unité 1, on va travailler l'objectif 12, la consommation et la production responsable. On va parcourir un petit peu le livre de l'élève. Et Fabienne, avant, nous a parlé de l'unité de la leçon 1, où on trouve l'alternative pour travailler le document 2. Ici, on a un document écrit qu'on peut ouvrir. On peut augmenter pour mieux lire le texte. Et on va avoir un bouton ici en version numérique qui va nous connecter en un clic à la version avec les documents vidéo. Je vais revenir vers le livre très facilement et je vais vous montrer aussi des exemples des activités interactives qu'on trouve dans le livre de l'élève. Je vais vous montrer aussi les fonctionnements. On a des activités interactives qui incluent toujours la piste audio correspondante, si besoin. Et il inclut aussi, l'activité inclut aussi, elle inclut les transcriptions qui sont présentes dans le livre de l'élève. Mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir un PDF du livre du professeur et chercher la transcription. Vous aurez toujours dans ce bouton qui est dans la barre supérieure la transcription correspondante. Comment fonctionnent ces activités interactives de notre kit numérique de santé en français? Et on peut compléter l'activité en entier. Je pense qu'on va avoir quelques erreurs, effectivement. Et on peut faire le check, voir et vérifier l'activité. On peut toujours récompléter l'activité pour la vérifier à nouveau. Et si vous, le prof, vous voulez faire des corrections plus rapides, vous n'avez pas le temps de demander aux élèves d'aller au tableau et remplir l'activité, vous pouvez compléter l'activité, voir les réponses une après l'autre pour une correction plus rapide ou voir toutes les solutions de l'activité interactive. Et je vais vous faire découvrir aussi la double page de lexique et communication. Et il y a tout le lexique est enregistré, mais
On a fait une remaquette de ces encadrés de lexique et on a divisé chaque item, chaque mot, pour avoir plus facilement un accès pour répéter des mots qui sont plus difficiles à comprendre ou plus difficiles à prononcer. On va voir. Un ordinateur portable. Des baskets. Des baskets. Ça vous permet de lancer l'audio d'une partie concrète, et vous n'avez pas besoin de faire un play, pause, revenir en arrière. C'est plus facile. Chez Sentinelle Français, on pense que le numérique n'est pas seulement numérisé de PDF qu'on a sur le papier. On pense que le numérique doit être au service de la classe. Je vais vous montrer aussi deux activités du cahier. On trouve aussi un menu qui nous montre les différentes parties du cahier. On a des activités aussi pour glisser des éléments. On profite des images. Cette année, on a lancé aussi une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui nous connaissent, les profs qui sont déjà clients. Et on a mis une fonction pour aussi augmenter les activités interactives pour mieux lire les contenus des activités. Parce que parfois, vous avez des classes très grandes, vous avez des élèves au fond qui n'arrivent pas à bien lire. On a ajouté ces boutons pour faire zoom aussi sur les activités interactives. On a aussi des activités pour mettre les mots dans l'ordre. C'est très facile à glisser. Aussi, toujours, même fonctionnement pour faire les différentes vérifications. Je vais aussi vous montrer le menu vidéo, un accès plus rapide aux vidéos de l'unité. On a les documents vidéo qui fait partie du livret plus, cette alternative aux documents texte de compréhension écrite qu'on trouve sur les livres. On a aussi un accès plus rapide aux vidéos du livret. Bonjour amis skaters, bienvenue sur mon blog. Je m'appelle Amir Benaoui. Mon prénom c'est Amir et mon nom c'est Benaoui. Et voici mon skate. Je vous présente des copains. Voici Théo avec sa casquette et avec des lunettes de star, c'est Léa. Salut, à bientôt sur mon blog pour des vidéos de skate. Comme vous voyez, ce sont des vidéos avec des personnages réels, des personnes de même âge que vos élèves, et qui intègrent très bien différents éléments de l'unité, comme sur le lexique et aussi la communication. On a aussi un accès à la vidéo qui est présente sur la double page de culture et citoyenneté. Même principe. Et je vais vous montrer aussi la fiche ODD, un élément très important et qui est un besoin réel en relation à la réforme de la LOMLOE. Ce sont des fiches ODD qui vont nous permettre de travailler un ou plusieurs objectifs de développement durable. Dans ces cas, comme je l'ai dit au début, c'est l'objectif numéro 12, consommation et production responsable. On a l'activité, on a plusieurs images, il y a plusieurs images, mais on va travailler chaque image, chaque comportement, un après l'autre. Ça permet aux élèves de ne pas se déconcentrer, bien faire un focus sur l'image, sur l'illustration qu'on travaille, et c'est aussi une activité interactive. Ici, on nous demande, observe les illustrations, quels comportements sont responsables? Choisis la bonne réponse. Ici, on a une petite fille qui amène son console de jeux vidéo dans son service technique. C'est responsable, oui.
On va faire un autre exemple avec une erreur. Il y a un petit garçon qui est intéressé à acheter une montre électronique et qui a une étiquette qui nous montre que voilà, il a 5 étoiles, donc on pense que ça doit être un bon achat. Peut-être il y aura des élèves qui peuvent dire non, c'est pas bien, c'est bien, on peut le découvrir. C'est une bonne étiquette, ça correspond à l'objectif, faire des achats responsables et c'était correct. Ici, on a un petit garçon qui vient d'acheter un nouveau portable. Mais on observe dans la poubelle, il y a un autre qui semble qui est aussi bien. Donc, c'est un comportement pas très responsable. Ce sont des fiches avec des activités interactives et qui mettent en interaction les élèves en classe et sur un support numérique. Et vous savez bien, les élèves de la tranche d'âge de l'ESO aiment bien. Ils sont très habitués à faire presque tout sur l'ordinateur et sur leur portable. Et on pense que ça aide à bien exploiter la richesse de la méthode de parcours pour les collèges. Vous avez aussi disponible la démo pour le niveau 3 sur la page web. Et pour finir, juste un tour très rapide de la partie élève. Et vous avez aussi des démos du livre de l'élève numérique, qui est un livre qui permet la visualisation du livre avec les audios incrustés. C'est un élément gratuit pour les utilisateurs du livre de l'élève en version papier. Et c'est un élément qui peut être exploité en ligne et qui est compatible avec ordinateur et tablette. On a aussi des activités interactives complémentaires, un élément très très intéressant avec lesquels on accède avec un code qu'on inclut dans le cahier, version papier, et aussi pour la version numérique que je vais vous parler juste après. Ce sont plus de 100 activités inédites complémentaires par niveau, ce qui permet de renforcer et aussi de travailler un peu plus, aller un peu plus loin, et le contenu des grammaires et lexiques de chaque niveau. Pour ces centres qui travaillent en 100% numérique, qui utilisent les élèves des tablettes ou des ordinateurs au lieu d'avoir des éléments en papier, on a les livres de l'élève avec son livret plus en version interactive enrichie, et on a aussi un cahier d'activités interactives enrichi. C'est la solution pour ces centres 100% numériques. Tous les éléments, livre de l'élève avec son livret plus et les cahiers d'activités ont ces activités en version interactive avec traçabilité, ce qui permet aux profs qui sont habitués, qui utilisent des plateformes éducatives à faire le suivi des élèves, et envoyer aussi des devoirs pour faire à la maison. Et ces éléments ont tous les audios et vidéos intégrés. Et nos livres enrichis, nos livres et nos cahiers interactifs enrichis sont multiplateformes. Vous pouvez l'utiliser sur Blink Learning, mais aussi sur d'autres plateformes comme Alexia, Clickedu ou le Moodle de votre centre. On aura aussi disponible une app jeu de conjugaison. C'est une app qui va aider aux élèves à réviser la conjugaison des verbes, un travail très dur pour les hispanophones et qui permet de réviser et aussi faire des tests pour voir s'ils ont bien travaillé la conjugaison des verbes d'une manière ludique. Et c'est une application qui sera disponible pour iPhone, iPad et aussi pour tous les dispositifs Android, mobile, téléphone portable, pardon, et tablette. Et en complément pour travailler un peu plus la pluriculturalité, en autonomie. Et on a aussi une sélection des vidéos de TV5 Monde. C'est une collection promenade interculturelle TV5 Monde Saint-Yen français qui permet non seulement de découvrir des contenus dans cette perspective des pluriculturalités, mais qui permet aussi de faire un travail de compréhension de la vidéo et compréhension
des contenus de la vidéo. Il y a la vidéo et elle est accompagnée de quelques activités. Donc, si vous avez intérêt à découvrir ces éléments, vous pouvez parcourir le site de la méthode parcourscollège.saint-etienne-français-numérique.com et découvrir les démos auxquels vous pouvez accéder en cliquant en bas sur le bouton démo. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je ne vais pas trop parler, j'espère, Nora. Non, pas du tout. Très intéressant. Génial.